Donc, si j'ai plus de vues, j'ai plus de trafic, ben, j'ai plus d'attention. Et si j'ai plus d'attention, eh ben, après, j'ai plus de prospects. Si j'ai plus de prospects, ben, j'ai plus de clients, etc. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner de l'argent sur YouTube et pourquoi je fais, surtout, pourquoi je fais une vidéo par jour alors que d'autres ne font pas une vidéo par jour. Donc, je vais te dire pourquoi moi, j'ai fait le choix de faire une vidéo par jour. Et donc, tu sauras après si jamais toi, est-ce que c'est intéressant de le faire ou c'est pas intéressant de le faire. Pour toi. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, t'as ton description pour aller plus loin. Moi j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne à travers mon programme Successful en ligne 2.0. On est là ou pas? Ok, donc moi j'ai réussi à le faire, donc voilà, j'avais un business en ligne sur le saxophone où j'ai généré 20 000 euros en une semaine sur le lancement de mon premier produit. J'apprenais les gens à jouer au saxophone, simplement. Et donc du coup, bah, moi je t'apprends à faire exactement la même chose, t'as toutes les stratégies nouvelles, je suis toujours actualisé puisque je suis encore dans le business. Et donc du coup, tu peux y bénéficier à travers ce programme parce que je te coach, je t'accompagne, c'est moi qui te coach directement. Donc même si t'as pas d'idée business, de toute façon je partage avec toi toutes les idées business qui fonctionnent, t'auras juste à suivre. Donc voilà, donc ça c'est mon programme Successful en ligne 2.0. Il faut que tout le monde le sache parce que des fois les gens disent ouais mais tu fais quoi en fait? Ah ben voilà, maintenant tu sais. Donc passons au sujet de la vidéo. Donc alors première raison pour laquelle je fais une vidéo par jour, c'est tout simplement pour le trafic. En gros, plus je vais avoir de vues, bah, plus j'aurai avoir de trafic, bah, plus j'aurai des gens qui vont me connaître. Donc il y aura l'attention, c'est comme ça que ça fonctionne le business. Attention, d'accord, l'attention c'est hey les gars, je suis là. Ouh. Les gars, je suis là. Ok, donc il y a différentes façons d'avoir l'attention. C'est où tu fais de la publicité, le marketing, c'est ce que font les grands groupes. Je fais aussi de la pub aussi. Et il y a le marketing de contenu pour pouvoir te faire connaître. Donc tu apportes de la valeur, les gens ils aiment, ils apprécient. Et du coup, à travers différents réseaux sociaux, donc moi je recommande Instagram et YouTube, c'est là-dessus que j'excelle. Les gens apprennent à te connaître. Donc les gens ils te connaissent. Boum. Donc attention, tu as l'attention des gens. Après, ils se ressemblent en prospect genre un petit peu amis, si tu veux, prospect amis, ils te connaissent. Ils font une action, le prospect ça veut dire que par exemple c'est quelqu'un qui va être intéressé par ma formation en ligne par exemple qui est offerte et après il devient client. D'accord, client, et après la dernière phase c'est fan de ce que tu fais par exemple. Pour pouvoir avoir l'attention des gens, ben, il faut avoir du trafic sur l'un des réseaux, donc ça peut être Instagram, donc comme je l'ai dit, et là on est sur YouTube. Donc du coup ça me fait plus de vues, donc si j'ai plus de vues, j'ai plus de trafic, ben, j'ai plus d'attention, et si j'ai plus d'attention, et ben, après j'ai plus de prospects, si j'ai plus de prospects, ben, j'ai plus de clients, etc. Donc à titre de comparaison, imaginons qu'il y a quelqu'un par exemple qui fait une vidéo par semaine, sa vidéo elle fait 2000 vues, ben, moi si jamais j'en fais 5, et qui fait même ne serait-ce que 500 vues, et ben à la fin, ça me fait quand même 3500 vues. Donc du coup, au total, et ben même si sa vidéo, ben, il fait une vidéo, il a 2000 vues, donc on se dit, ah, mais il fait beaucoup plus de vues. Mais moi, le fait que j'ai cumulé, en fait, ben, plusieurs 500 vues chaque jour, ben, du coup, à la fin de la semaine, ben, sur ma chaîne YouTube, ben, j'ai plus de vues. Okay, et comme je t'ai expliqué, bah, plus de vues dit bah, plus d'attention. Même si à la base, je ne cherche pas à faire des vues, parce que plus tu fais des vues, bah, ça veut dire que plus tu es mainstream, tu vois. Après, c'est cool de faire des vues, hein, de toute façon. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, et après, je peux me tromper, mais ça, c'est ce que je pense, c'est que plus tu vas faire des vues, plus ça va être moins qualifié, tu vois. Moi, les gens qui me suivent, c'est des gens qui s'intéressent au business, qui veulent vraiment devenir riche, tu vois. Si je fais une vidéo virale, à moins que j'arrive à accumuler vidéo virale, et vraiment, on parle que de business, tu vois. Après, deuxième raison, c'est tout simplement parce que c'est un format qui me correspond, tu vois. Même si c'est pas facile de faire une vidéo par jour, c'est quelque chose que, de toute façon, maintenant, j'ai pris l'habitude, je me suis lancé dans cette stratégie-là, et je suis pas le gars vraiment à essayer de faire une vidéo. Même si j'ai plus de temps, je pense pas que ça me ferait kiffer de faire une vidéo qui dure 30 minutes, où vraiment, je prends du temps sur le montage et tout machin, j'essaie de faire un truc machin. Non, moi je suis plus un gars où vraiment je vais être régulier, persévérant. Après, il y a d'autres façons de faire, tu vois. Il y a d'autres façons de faire des vues, c'est de faire des vidéos clash, tu vois, de faire des vidéos buzz, tu vois. Mais tout ça, c'est des trucs que voilà, ça m'intéresse pas. Moi, les clash, ça me dit pas trop, tu vois. C'est pas mon délire. Si j'ai un truc à dire, je le dirai en face. Donc, surtout. Dans tout ce que tu fais, il vaut mieux faire un truc qui est aligné à toi et pas le faire pour le buzz ou pour faire parce que ça fonctionne, tu vois. Même si je préfère faire un truc mieux, c'est sûr que si j'ai des vidéos clash ou vidéos buzz, bah, c'est sûr que ça va monter encore plus. Mais je serais pas aligné, je serais pas bien, tu vois. Et les gens qui sont pas heureux, c'est les gens qui sont pas alignés avec ce qu'ils font, tu vois. C'est les gens qui vivent à côté de leur vie, tu vois, ou qui vivent la vie de ce que leur papa et maman auraient voulu. Et donc, du coup, vu que tu vis en dehors de ta vie, donc tu es pas aligné avec ta vie, et bah, du coup, t'es en dépression, t'es pas bien, tu vois.
Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais voilà, moi je fais toujours les choses par rapport à qui je suis et j'ai pas envie de faire autre chose. Troisième raison pour pouvoir me référencer sur les mots-clés, parce que à chaque fois que je fais une vidéo, eh ben, je prends les mots-clés qui correspondent à ma thématique ou là où je veux me positionner, et le fait d'avoir plusieurs vidéos, ben, forcément ben, je peux me positionner sur plusieurs mots-clés, dont la longue traîne par exemple, pour être vraiment sur chacune des familles des mots-clés. Donc plus j'ai de vidéos, ben, plus je suis positionné sur un nombre important de mots-clés. Donc quand les gens vont rechercher comment devenir riche ou comment devenir millionnaire, ben, il y a une grande chance que tu tombes sur moi à un moment donné. Parce que j'ai fait différents formats sur comment devenir riche. Tu vois. Quatrième raison pour laquelle ben, j'ai décidé de faire une vidéo par jour, tout simplement parce que je suis arrivé sur un marché qui est concurrentiel. Donc je suis arrivé après tout le monde. Il y a des gens qui sont installés là, qui sont là, c'est des dinosaures, ils sont là depuis 6 ans, 7 ans. Je ne pouvais pas arriver sur ce marché-là et faire une vidéo par semaine. Sinon, j'aurais été noyé dans la masse. Okay, donc pour pouvoir m'imposer rapidement, j'ai choisi la stratégie de faire une vidéo par jour pour pouvoir vraiment inonder le marché de mes vidéos. Cinquième raison, bah, pouvoir développer un capital social. Donc c'est quoi un capital social? Bah, c'est tout simplement bah, quand tu as t'as une communauté qui te suit. C'est pour ça que j'aime énormément le business en ligne, tu vois, parce que on utilise les réseaux pour pouvoir faire bah, du marketing, pour pouvoir vendre une des formations en ligne ou du coaching ou du consulting, d'accord? Oui, après, tu peux faire énormément de choses. Par exemple, tu peux vendre des vêtements aussi. Thibaut Inchep, il a créé sa salle de sport. Mais quand tu as une communauté, en fait, ben, tout fonctionne. En fait. Tu peux tout vendre, tu peux tout faire. En fait. Tu vois, après, il faut juste que ce soit lié un peu à ta thématique ou que ta communauté te suive. Tu vois. Je pense à d'autres gens, par exemple, qui étaient dans construire une communauté autour de parce qu'ils faisaient des blagues et ils ont basculé en faisant du rap. Tu vois. Je pense à Mister V, par exemple, et la communauté, elle a suivi. Donc, des fois, ça peut passer même si ce n'est pas la même thématique. Mais pour te dire, la puissance d'un capital social, d'un business en ligne, c'est super puissant. C'est pour ça que moi, j'aime ce pilier pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que tu peux gagner rapidement sur court terme, moyen terme et long terme. Et dernière raison, c'est tout simplement parce que ça crée une relation avec ben, les gens qui me suivent, parce qu'il y a des gens qui vont me regarder tous les jours. Et à force de créer une relation, ben, tu crées une confiance. Et si ils ont confiance en moi, eh ben, ils seront plus aptes à acheter mes services si jamais ils en ont besoin. Donc plus tu crées de la relation, ben, plus les gens font confiance et plus les gens achètent tes services. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as un lien dans les commentaires. Si jamais tu es coach, expert, consultant, eh ben, tu as ma masterclass où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour faire 4 à 5 chiffres par mois rapidement. Ok, donc les gars, arrêtez de trouver des excuses pour pas prendre la formation, elle est offerte, tout est offert les gars, donc vous avez juste à passer à l'action. Sinon, si tu veux continuer à faire la même chose avec les mêmes connaissances, tu auras les mêmes résultats dans ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous.